Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui, lundi, les 22 ans. Nous commençons avec un grand titre. La Cour suprême préécoute qu'à la force la police contre décision Ziz Fiona Robinson, mois prochain. Ça concerne la fouille qui est officier bureau antidrogue qui fait dans bagage dirigeant l'opposition l'OEPORT en février. Quatre activités économiques, continue à pas MEDEV et financement pour implémenter dans les passés et qui secteur privé pas impliqué là-dedans, une gagne identifiée par gouvernement opposé 7. La Banque centrale une réduit l'intérêt policier monétaire par 1% pour faire livre 3%, mais ses devises étrangères pour sa dernière semaine les une plus ou moins stable. Nous passons le bon détail. Il est 3 mois prochain que la Cour suprême pour écouter car la force la police contre décision Ziz Fiona Robinson. Ziz Robinson qui dirige l'enquête dans cas que des officiers bureau antidrogue ENB qui fouille dans bagage dirigeant l'opposition Rival Rum Kalawan l'aéroport et commission l'enquête qui président Fortin a pointé. La force la police pas d'accord avec une recommandation que Ziz Robinson fait dans son rapport comme quoi ça la fouille est illégale. Sans l'incident qui arrive le 8 février, le temps que Ram Kalawan qui arrive dans le pays sorti en mission à l'étranger. Un officier qui fouille dans son bagage et un autre qui vérifie son passeport diplomatique. Suivant son enquête dans ses affaires, Ziz Robinson qui prend plusieurs décisions parmi et qui ça la fouille illégale. Mais à travers l'avocat Frank Elizabeth, la police peut demander la cour pour ziser si Ziz Robinson est bien et qui fait sa recommandation en termes de la loi. Et la police pas d'accord avec sa décision qui Ziz Robinson n'est pas. C'est pour sa raison que j'ai demandé l'instruction pour m'en faire un case judicial review. Ça veut dire venir en cour pour contester la décision Ziz Fiona Robinson, la base qui en bas l'article 20 de la Constitution. Lundi, on donne consentement à la police pour fouiller l'oli. Ça la fouille, even légal. En bas, Misuse of Drugs Act, oui, illégal, à cause de besoin reasonable suspicion avant ou fouiller lundi. Mais en bas, l'article 20 de la Constitution, là, il y a un consentement, il fait une fouille qui est pour autrement illégal, vine légal. Dans la conférence de la presse, des mois passés, après que sa rapport est sorti, M. Elizabeth dit que sa décision de Ziz Robinson est capable d'avoir un impact sur le travail de la police. Il y en a. Bonne considération par profiling, le cas est à random, tiens, dis-moi de l'année, fin la fouille. Et ça, il tout le temps impratique, basé sur la discrétion de la police. Mais par exemple, Ziz Robinson peut dire ça pas mérite le cas. Il y en a l'implication légale, et pour moi, il crée une précédence assez dangereuse sur les, à cause. Ça l'opinion que la police pas qu'à fouiller loin du monde s'il n'a pas un doute raisonnable et même si ça dit on peut dire fouille au moins puis donne permission la police pas capable fouiller ça du monde d'après Ziz Robinson plus bonnet ça moi Ziz Robinson qui passe la pétition qui la force la police n'a mené et décide qu'il y en a mérite alors qu'il est capable continuer. Et bon matin en cours, avocat Elvis Chetty, qui peut représenter Ziz Robinson, qui demande un petit peu plus de temps pour préparer une défense contre cas que la police y emmène. La journée internationale service public, il y a une célébration d'efforts tout bon qui travaille dit pour fournir bon service, pour assurer que Pepsi ses lois, il y en a accès avec service qui nécessaire. Ça y inclut service pour maintenir l'ordre et sécurité publique et pour encourager croissance économique. Président Danny Ford il dit ça dans son message pour la journée service public demain. Il dit que bon nurse, docteur et que les autres travailleurs de la santé, il devrait gagner une mention spéciale pour ça la journée. Président il a aussi ajouté que comme membre public, nous a réagi d'une façon qui nous servit bon service numérique bien. Il dit que bon l'organisation secteur privé aussi il paraît pour ça l'époque développement économique avec l'assistance numérique. Tandis que de son côté, la zone service public qui rend hommage aux travailleurs, sa secteur et que autres bons officiers, sa message sorti côté ombudsman Nicole Tirant-Girardi, indique que ça y a l'occasion pour travailler sa secteur, considérer son rôle comme serviteur les peuples. Il ajoutait qu'une société pacifique et inclusive
qui est essentiel pour développement soutenable et capable de réaliser si bon citoyen capable d'un processus fait décision qui est représentatif et inclut participation tout le monde. Il dit que ça amène la fin avec violence et conflit et promouvoir l'état de droit et garantir accès tout citoyen avec la justice et bon institution qui est efficace, fort et inclusive à tout niveau. Pendant une rencontre State House après-midi, président Ford enjoint avec bon représentant clé d'un gouvernement qui pour travail avec projet Seychelles Employee Transition Scheme SETS et aussi bon coordinateur qui a appointé pour diriger différents programmes de sa projet. Sa projet peut agir environ 4000 dimonde qui est capable de perdre l'emploi à partir des premiers idiots. Sa projet il a divisé dans quatre catégories activités économiques. Ministre pour l'emploi, immigration et l'état civil, Myriam Telemac, et plusieurs aux offices de son ministère, qui a aussi assisté à sa rencontre qui est dirigée par le président Ford lui-même. Travail public spécial, travail communautaire, CIPO pour l'institution publique et sociale et l'environnement, il y a quatre programmes que le gouvernement a identifié pour place travailler là-dedans. Ça, de cadre programme 7, c'est un programme transitoire pour certains travailleurs sociaux qui expectent voir les autres sans l'emploi bientôt. Ça, c'est un bon programme, c'est un coordinateur qui est un président fort pour la première fois après-midi de cadre de nouvelles responsabilités. Ça, et Mme Dottira Forme pour le programme CIPO pour l'institution publique et sociale. Madame Raymond Benstrong pour programme travail communautaire, Mlle Suzanne Morel pour travail public spécial et M. Denis Matatiken pour bon programme l'environnement. Nous expectons un bon petit monde sorti dans le secteur privé et premier l'objectif c'est pour ces places encore de bonnes différentes opportunités qu'il y en a, mais en cas il y en a beaucoup plus du monde qui nous a accommodé dans le private sector. Là nous avons nos quatre programmes qui président met en place pour complémenter ça qui s'est pour faire. Et pour nous, ça tombe bien à cause, en cas qui nous voit en nous des situations, qui nous a beaucoup de monde dans des situations qui n'a pas d'activité économique pour eux dans le secteur privé, alors nous avons ça l'éventail programme qui finit de mettre en place. Et sa coordinateur, il peut aider nous, mobiliser ben l'opportunité d'avoir différents secteur qui nous cause l'environnement, social, community et special public works. Par exemple, là, nous déjà mettre en place un programme avec Skipper pour aider avec Marine Park qui n'a pas d'activité économique pour eux. Nous sommes tombés d'accord qui ont assisté et nous déjà à travers ce programme environmental program, nous déjà commencé à mettre des masses pour autres cas initier ce programme. Nous peut parler aussi un reforestation imposé. Nous en contact avec ban NGOs. Il y en a ban activité par exemple archive de gouvernement qui peut être un backlog. Tout ça là est ban programme qui nous a identifié et servir à ban talent qui en pas de période pour qu'à compléter ça ban activité économique. En principe depuis longtemps nous peut get ban différentes options. Mais aujourd'hui, c'est un official launch of those programs. Ce programme, y compris une activité économique qui gouvernement n'a pas mis de financement pour implémenter dans les passés. Une activité qui n'a pas gagné le tender pour le secteur privé, c'est un petit business en gaz là-dedans. Et aussi une activité qui n'a pas gagné le Il y en a deux trois semaines, je vais vous poser. Quelle est l'opportunité? Là, ce que nous avons besoin de faire, là, c'est en gaz nos bonnes partners. Nos partners dans le private sector, dans l'environnement. Dans parastatal, dans civil society, dans tout secteur économique et l'engagement national, facilement nous avons place nous dans une forêt, nous dans une qui pourrait malheureusement qui a perdu son ouvrage pendant sa période devant nous. Ça a des trois mois qui devant nous. Et alors, tout le temps nous dit, ça c'est un problème CCL, ça. Hein? Il y a un problème CCL et nous avons besoin ou des solutions CCL. Voilà, moi la façon comme ça, mon pégé, piment, et mobilisation nationale à cause, par le président dit, jamais nous faire face avec ça problème avant. Et là, nous avons besoin de documents, nous pouvons mettre tout nos bonnes ressources en place, toutes nos bonnes opportunités en place, pour nous faire signer qui est quand même pip, quand même petit pip,
Le monde peut être nous, c'est comment nous pouvons résoudre nos problèmes. Qui, pour nous, y a, en même temps, nous résoudre nos problèmes socio-économiques, mais en même temps, pour peut-être dans les autres petits pays, qui ont aussi un modèle qui m'a résolu, qui attaque ce bon problème, qui sont aussi peut faire face avec. Il y en a des catégories de monde qui peuvent participer à ce bon programme. Pendant ban qui, malheureusement, pour perdre leur job, pendant ban qui sont still employés par l'organisation, mais activité économique, ils tombent beaucoup, qui sont l'organisation, peut-être n'a pas assez d'activité pour faire autres faire. Là, nous pouvons aider les autres pour trouver une bonne activité pour les autres faire. À cause de partout l'organisation qui a envie, vraiment, faire du monde aller. Les autres pays ont 10 bons endroits pour parler aux autres du monde temporairement. Alors voilà, que ce bon programme est très bien. Bien comme si pour aider un peu aux bons du monde qui dit, bon, moi, j'ai 30 du monde, je ne peux pas les faire aller, mais pour 3-4 mois, je ne peux pas chamaner les autres participent d'un programme national. La Banque centrale a réduit l'intérêt policier monétaire pour pas 1% pour faire les 3%. Gouverneur la Banque centrale, Caroline Abel, indique qu'il bolle la Banque centrale, il prend sa décision. Les temps et puis prend en considération bon facteur et risque intérieur et extérieur l'économie. Gouverneur aussi dit qu'il met ses devises pour sa dernière semaine une plus ou moins stable et qu'il réserve des devises encore capable de tenir pour 18 mois. Paris, Tim Prévoir. Pour sa troisième calendrier, le 18 août et septembre, la Banque centrale a réduit l'intérêt policier monétaire par 1% pour faire livrer 3%. Des conférences la presse après-midi, gouverneur de la Banque centrale, Caroline Abel, indique qu'il borde la Banque centrale, il prend sa décision, l'État prend en considération bon facteur et risque intérieur et extérieur de l'économie qui centre beaucoup de l'impact pandémie virus COVID-19. Mais gouverneur Abel indique que sa réduction de l'intérêt policy monétaire pas veut dire que ti moun y commence dépensant plus. Nous peut gagner plus pour secteur business. À cause il donne zote soulagement dans dette qui zote en. Qui ti loin prix qui nous peut dire là avec sa réduction 1% qui nous fait dans nos monetary policy rate veut dire pour une réduction le sac qui loan qui zote en déjà avec zote bonne la banque. Il pavait dit comment individu nous dit oui loan peut avoir une plus bon marché mon taille code mon la banque pour moi gagner loan qui plus bon marché pas ça message qui la banque centrale peut passer aujourd'hui. Nous dit ça gagne dirigé pour si tout pour secteur business. Gouverneur Abel qui aussi fait commentaire le taux d'inflation qui Bureau statistique national il récemment dit qu'il réduit. Nous l'expectation c'est qu'il dans sa carte qui nous là dedans il y en a une augmentation de prix même si nous prenons en compte certains éléments qui prix qui descend par les prix électricité. Nous aussi au courant semaine passée les NBSCP discute sa publication l'eau l'inflation qui montre pour dire l'inflation il descend nous reconnaître aussi pour dire il y en a sa base qui détermine sa l'index l'inflation qui NBS publié qui il pas nécessairement refléter la réalité qui consommateur peut faire face avec à cause il y en a des temps qui sa base il changer et dans l'époque qui nous là dedans il pas nécessairement refléter ça qui nous comment consommateur nous peut faire face avec et il y en a un plan pour améliorer sa base update sa base et mon quoi ça il y a un plan pour l'année prochaine en vie interaction qui NBS besoin faire avec différents stakeholders. Le côté marché devises, gouverneur Abel indique qu'il marché devises pour sa dernière semaine une plus ou moins stable et qu'il réserve devises la banque centrale il est encore capable de tenir pour 18 mois pareil ce qu'il prévoit. En gros, nous avons 608 millions de dollars avec 460 qui nous capable de servir. Nous encore le ça track pour 18 mois. Mais seulement nous concerne le monde public, même si on est
course qui commence en mener pe discipline mais seulement nous c'est aux autres pays en mise de l'école un petit peu normal pour faire certaines quelque chose mais nous pas continuellement faire même quelque chose qui prend dommage nous plus tard bon travailler de secteur public la dernière semaine il y en a bon travailleur qui n'a pas de la banque pour prendre l'autre. Et nous connaissons là de sa crise économique. Partout dans le monde, la banque est très consciente pour donner un loan. Et peut-être, il y en a beaucoup d'autres, la banque ne peut pas donner un loan. Même si vous dites que la banque, pour dire que mon travail de gouvernement, mon emploi est safe, on ne peut pas croire pour dire que nous travaillons. Nous travaillons gouvernement, nous l'emploi est safe. Secteur privé qui a tapé avant. Mais secteur privé là, il a tapé, il n'a pas produit, n'a pas revenu, assez revenu par y avant, qui a entré dans le coffre gouvernement. Donc, on m'a dit que nous sommes dans sa même réalité. Nous prend conscience est-ce que gouvernement ca continuellement en a même quantité travailler yo aussi ou bien est-ce qu'il ca soutenir sa salaire entre-temps la banque centrale peut continuellement conseiller tout monde pour revoir ses dépenses et faire des dépenses qui nécessaires un pas qui gouverne la banque centrale il dit il vraiment essentiel pour qu'il cesse à va passer de sa crise économique avec moins l'impact vice-président Mériton il fait plusieurs visites bon matin la zone industrielle à Providence et ça a été l'occasion pour y voir comment sa zone peut développer première visite ti nouveau semen qui peut faire pour décongester Providence et deuxième visite ti côte Blaine Seychelles l'espace côte business indépendant est capable louer l'endroit pour faire autre travail. Première visite beau matin ti nouveau semen qui besoin Providence et Highway et continuer côte nouveau zone industrielle maritime. Vice-président Mériton, il constatait qu'il développement à l'endroit une bien avancée, même si certains parties sa ses mains y pas encore terminé. Lucie Antanasius, chef exécutif l'autorité zone industrielle, il dit qu'il COVID-19 il ralentit bon travail, mais qu'ils ont expecté qu'il tous ses mains pour gagner terminé avant la fin de l'année. Ici, quand nous étions là, il y a la zone 20 exit road qui nous permet de sortir dans la main Providence Industrial Estate pour sortir pour aller dans la zone 20, après aussi pour aller dans le CID. Et là, nous disons, nous, dernièrement, nous partons encore comme ça, là où il y a des improvements. Nous avons beau aller sur ses mains aussi, jusqu'à l'autre bout. L'autre fois, nous sommes capables et nous avons des curves. Là, nous pouvons espérer coltar avec des pavements qu'ils pourraient faire. Oui, il y a quelque chose qui nous a un peu retardé à cause de COVID. Seulement, là, nous pouvons faire tout pour tout avec nos consultants, Winsor Onsor Naya et Vijay, qui est contracteur, pour capable faire ce qui s'assait, mais il paraît aussi tôt possible à cause de nous laisser sa congestion qui est dans Main Providence Avenue pour sortir. Et nous pouvons faire tout pour tout. Et tout quelque chose peut marcher d'après schedule. Tout quelque chose jusqu'à dans votre zone 20 pour finir dans septembre-décembre. Oui, nous pouvons faire tout pour faire ça. Après visite sa semaine, vice-président Inal Blaine Seychelles, ça y a un nouveau espace pour travailler indépendant. Blaine Seychelles est capable d'accueillir 90 travailleurs et aussi on a plusieurs facilités pareilles. La salle conférence, l'espace pour faire meeting et aussi l'endroit pour reposer. Pendant sa visite, vice-président il reconnaît les efforts qui la compagnie une faire pour développer activité professionnelle pour bonnes zones indépendants. C'était la première fois que le vice-président venait visiter le site qu'on a ici aujourd'hui et je pense qu'il a été très content de ce qu'il a vu. Donc on loue des espaces de travail qui en anglais s'appelle workstation et on peut le louer à la journée, donc par heure, à la journée, par semaine, même par mois. On avait déjà parlé avec le département de l'industrie au début et on va bien sûr développer ce partenariat-là pour arriver à des fins un peu plus, on va dire, effectives.
Directrice Blen Seychelles, qui est aussi directrice dès les autres, la compagnie, y encourage Bonzen qui envie développe l'activité pour Vincotzot. Blen s'adresse à tout le monde. Et mon ambition à terme, c'est de pousser la jeunesse seychelloise qui n'a pas forcément les moyens, comme je vous disais, de pouvoir réunir comptables, banquiers, investisseurs, pour justement écouter ces jeunes qui ont des bonnes idées fondées, qui peuvent aller très loin, mais seuls, impossible. Donc pouvoir faire rencontrer tous ces gens-là pour travailler ensemble et pouvoir monter ensemble. Visite vice-président, il renforce à l'aspect collaboration secteur privé avec gouvernement. Pareil, Brian Nissette, qui est business development manager, côté l'agence, l'entreprise CSL, India. Nous avons commencé par les nouveaux officiers côté Enterprise Research Agency, qui ont commencé à faire un meeting. Et là, par Mme Freeland, qui a fait avec vice-président, qui vient nous visiter. Avec COVID, oui, bien sûr, il apporte son élément négatif, mais bien sûr, là, et pour nous pour aider aussi, pour faire des gens plus connaître, pour être capable de venir servir à l'espace, pour être capable de network avec camarades, non seulement pour network avec camarades, mais aussi pour être capable de partager d'autres idées et aussi pour être avancé. Les officiers de l'autorité de sécurité maritime, SMSC, et board qui fait l'enquête de bon accident maritime, MAIB, ils montent à bord un bateau la paix, ton espagnol aujourd'hui, pour faire l'enquête dans l'incident qui est arrivé à bord et qui occasionne le mort un marin et blesse de les autres. Un là-dedans, son blessé grave, il admet l'hôpital Cécile de Pillé. Ce marin qui mort, il y a un Sénégalais, et ça dit qu'il gagne blessé, il y a un Ivoirien avec un Ghanéen. C'est un équipement qui est cassé à bord, qui fait les autres d'itor. Ça arrive avant hier après-midi, il est en zone type la paix, un peu loin avec Maé. Ça arrive dans port, ça arrive ici, dans port Maé, hier, vers 10h après-midi. L'autorité concernée, Paris La Santé, que la police, qui a la bord sa bateau hier, pour faire bonne formalité nécessaire, SMSC avec MAIB, Zotial Le Sabato, aujourd'hui bon matin, et c'est Captain Joachim Valmont avec Dominique Savi respectivement qui peut dirige sa l'enquête. Il y en a un équipement qui est servi à bord qui pour en masse de la scène, il appelle un David, en anglais, il appelle un David. Et ça là, il a tassé, il y en a un wire, il a tassé avec un poulie, un bloc, quoi, nous dit en anglais, qui risse ça la scène. Ya? Et apparemment, ça, c'est un snap. Ça David, c'est un snap. Il paraît de les bras, il est en guette. Et tous les deux, ça, de les bras, il cassé. Juste d'après l'information qu'il nous gagne, Captain, il dit nous, ça, c'est un snap, il cassé. Il est ça une casse voilà qui une sur les causes injury avec la mort ça premièrement ça dit mon sénégalais qui ne passe pas et aussi ici là en effet tu en trois autres qui travaillent au bord là même ça bateau il pas en pavillon Cécile. C'est l'intérêt qui nous en a pour faire ça investigation à bord ça bateau c'est qu'il paie la piste dans nos délais ça veut dire nous en a un l'intérêt. Il arrive un incident pareil ou un bateau qui pas en bas nos pavillons pour nous aussi à faire une investigation. Since bateau il part en bas nos pavillons et bon matin dit mon à bord mon informe l'agence pour lui informe consulat ici à cause important que consulat y au courant pour dire nous l'autorité Cécile. Nous montons à bord ce bateau pour nous capables de commencer nos investigations. So, nous pouvons faire l'idée d'une façon très coordonnée. Et nous qui nous recommandons, qui nous capables de faire aujourd'hui à ZMIB, nous recommandons que ça l'équipement pas gagné à ranger, mais ça l'équipement gagne sans. À cause nous n'avons pas confiance beaucoup dans ça l'équipement à ranger. Prenant compte que d'après nos investigations jusqu'à pour le moment, il montrait que les autres tués en masse la scène, les salles d'équipement cassées, tu n'as pas poisson dans la scène. So, imagine, si on a rendu salle d'équipement, après pour la masse la scène, là, il plein de poissons. Pour nous, il peut créer un danger encore, pour savoir travailler. So, nous recommandons, dans l'immédiat, que David n'a pas gagné à ranger, mais il gagne sans.
Commission la vérité, réconciliation avec l'unité nationale. Un beau matin, écoute témoignage Marc Sedgwick, qui est un beau frère défunt d'Amandra Ulantin, qui est gagné en mars 2007. Devant la commission, M. Sedgwick dit qu'il est marié avec celle d'Amandra et qu'il est d'Amandra, il est séparé des frères et qu'il n'est pas complice de sa bonne cas concernant bon l'incident autour de son amour. Commission la vérité réconciliation avec l'unité nationale tu appelle MC Marc Sedgwick après qui m'a famille des faits d'Amandra Ulantin tu mentionne son nom de bonne session auparavant et aussi les faits qui était beau-frère d'Amandra devant commission MC Sedgwick tu dis si même je dis d'Amandra c'est pareil des frères PCR il parti vraiment compte tout son vie retourner non le petit des frères oui monsieur moi bonne quelque chose parti détaillé moi son le petit bien OK le petit bien D'Amandra zamen cause koulo ken dit tout les autres quelque chose dit tout nous bien jamais dit moi aucun rien puis de haut qui ça n'a rien les temps qui quelque fois au la côte bateau d'Amandra aussi si là où tu vois il a dit mon tu viens au poisson non même pas ami Jimmy Marengo c'est n'a aucun quelque chose quelque fois abnormal quelque fois qui on capable observer quelque chose qui pas l'habitude d'arriver. Non, moi pas de remarquer. M. Sedgwick, tu es aussi devant la commission, exprime certaines frayeurs suivant un incident qui t'est arrivé avec D'Amandra, quand son corps, tu as découvert, puis flotté dans la mer Providence. Et il dit, pour son sécurité, après ça, il t'a tiré son bateau au Chkaïman et a mis de cascade jusqu'à aujourd'hui. D'après des alentours, comme si. Je dis, comme si restez moi. Restez moi pour tout y est. Mais là, il est un pépé, il a besoin de tirer mon corps. Il m'a caché chez moi les trois jours de la case pour le moment. En bas de mon mari, avec mes enfants, il m'a caché pour le moment pour papa. And are you afraid today of Mr. Marengo? Mon copain, oui. I mean, for the record, I have to say that Mr. Marengo denies that he was involved in this crime. So he has been served with a suspect notification and he says that he had no involvement. Mr. Marengo has told this commission that he's not like that. That he hasn't killed anyone, and that I just need to put that on the record. Although he does admit involvement in the Brian Victor incident. L'autre dimanche devant commission aujourd'hui, il y a un ancien député commissionnaire de la police, M. André Balmont, qui nous donne l'évidence dans le cas de M. Benjamin Pierre-Louis. Dans son évidence, M. Pierre-Louis il dit qu'en septembre 1986, il a pris contre la cour et emmené contre la police, contre il a battu et torturé par l'armée et PMU, et de gré, il a battu, il a besoin de transporter Maé et admettre l'hôpital. Et dans sa déclaration, il dit qu'il M. André Valmont, il inspectait en sas, ça sur la police pour aller ça l'étant. Quand l'incident est arrivé, contre lui. Sa allégation a été ivre. Bonne informe qui m'a demandé, il confirme pour dire que l'on a été. Même ça, il dit que l'incident est arrivé, il n'est pas encore à l'ensas pour aller. You were actually not at the police station at the time that he was beaten. No, I was not on Praline. Right, you came after. After the incident. Yeah, but you heard about it. I heard the incident whilst I was at on trial. But you didn't see in Praline police station any complaint actually. Not at all. Pendant 5 ans, qui mon ensage région Praline la digue, comme régional commandeur, mon pas n'en mais recevoir aucun complaint fait par M. Benjamin Pierre-Louis. L.I.S. dit qu'il est totalement engagé envers l'unité nationale. Et il donne son réaction envers l'appel que le président Danny Foy fait pour un gouvernement l'unité nationale. Dans un communiqué, L.I.S. dit comment un candidat présidentiel, l'endroit approprié pour M. Foy fait ça l'appel, c'est dans un forum politique, comment partir son campagne élection, non pas dans son discours comme chef d'État pour la zone et constitution. L.I.S. y ajouté que la constitution pays n'a pas fait aucune provision pour un système gouvernement l'unité nationale par inexister dans plusieurs des autres pays. Il continue en disant qu'il avait nécessaire et dans l'emmène les peuples c'est ses lois et première décision qu'ils ont besoin de faire c'est pour choisir dirigeants pour un prochain gouvernement à travers élections libres et justes.
À peu près 3000 dimons, ils suivent le premier conseil que l'Alliance française a fait et qui passe en direct le réseau social. Mais parce que l'Alliance française ici, ça concerne, à l'occasion de la fête de la musique hier, qui est célébrée partout dans le monde entier. Le président de l'Alliance française, Joël Perrault, dit quelque chose de positif, que le COVID-19 phénomène pour sa bonne artiste et possibilité pour les autres de reconnaître à travers le monde entier. Dans le passé, concert la fête de la musique à Cécile, une fête de plusieurs endroits à Victoria. Mais d'après président de l'Alliance française, Joël Perrault, seulement environ 300 personnes qui viennent guetter. Ça l'en est, il s'est fait contre Waterfront Park, qui entre Bureau Journal Nation et Marine Charter. Et en vue de la situation COVID-19, il y a moins de personnes encore qui tiennent sa concert physiquement. Mais par contre, il y en a presque 3000 personnes qui te suivent ce spectacle en direct à travers la page Facebook Alliance Française, qui est aussi passé sur ZIL TV, une station de télévision La Réunion. Malgré les restrictions que COVID-19 a amenées, ça te plie grand ampleur que la fête de la musique Cécile est déjà arrivée. Et le président Alliance Française est déjà bien satisfait à cause d'une permette qui donne aux musiciens locaux une grande publicité. Pas seulement Cécile, mais aussi dans les autres parties du monde. Il faut y avoir l'avantage aussi avec ça que nous gagnons la COVID. Donc, il fait qu'il présente nous servir plus sa média sociale. Vous connaissez nous tout le temps dans nos pages Facebook. Chaque fois qu'on a un événement, nous faisons connaître pour nous parler dans cet événement. Nous avons un poster et nous mettons sur Facebook. Et par exemple, dans l'exposition là, nous avons un grand artiste, c'est loin, un peintre qui expose contre l'Alliance et avec l'Alliance française. Après aujourd'hui, nous ne pouvons pas arrêter de monter une vidéo sur Facebook pour les artistes et les bonnes santé qui participent aujourd'hui ou bien les autres. Nous, à travers nos réseaux, l'Alliance française, nous pouvons pas faire une bonne vidéo sur Facebook aussi, sur nos pages. Dans ce spectacle, il y a la participation de Josami, David André, Belinda Monchini et aussi Ayan Kidd. Je te en anglais, créole et français. Groupe Mosaïque, tu es aussi là côté Vicky, Hicham et Isis. Tu sens chacun de son son, accompagné par Ernie, dans l'instrument de musique. Je dis qu'il y a une telle occasion et de développer et grand reconnaître. Nous, les musiciens qui habitent chez eux presque tous les jours, ils viennent presque tous les jours pour chanter, tout sur l'instrument. Et dans le temps de COVID, to get those to hotel or whatever in this shutdown, and no one who could know, and they had an opportunity to win. It was just laughing, bro. Oui, we're busy. Tous les jours, and no one could pay for it. They had an opportunity to win. It was just envie. Là pour exploser, pour express les corps. Pareil trend comme est là, qui avec sa situation COVID-19, qui plus musiciens besoin d'oiseaux de jouer live on Facebook, on Instagram, pour des gens capables d'enjoy la musique. Et aujourd'hui, la fête de la musique, nous peut servir sa même plateforme live. On ne croit pas que nous méritons ça, c'est une opportunité que nous gagnons à cause. Tout ça, là, il y a des contributions pour nous rabattre. De l'avant et aussi permettre du monde qu'on est pour dire nous ben qui nous évoluer aussi évoluer dans un sens qui permet nous créer et vivre la vie la musique dans sens artistique. Groupe Mosaïque et Edmond préféré Genix et te suivre sa conseil à travers Facebook avec son ami Debra. Il désire acheter un concert, mais il dit qu'il plie après cette fois-ci pour qu'il y ait un concert en direct dans le confort contre la cour. Comme si de la cour se trouve plus confortable. Après, s'il n'y a pas beaucoup de gens, on peut assiser, on peut être tranquille, on peut boire quelque chose, on peut manger quelque chose. C'est l'événement qui est organisé en ligne avec une bonne musique et le département de la santé met en place comme une précaution contre la COVID-19. Fédération Football, ils ont un programme FIFA Connect, un programme qui en a pour but de connecter tout système football à travers le monde, veut dire n'importe l'endroit où était ou bien aller, comment un joueur, entraîneur, refrain ou bien officier, ou un identification FIFA qui peut rester avec ou tout du long au cahier. Chef exécutif Fédération Football Cécile, Georges Bibi, dit qu'un tel programme est l'avantage football Cécile. Essentiellement pour capable monitorer un transfert qui fait soit international soit domestique.
Avant ça, FIFA type moniteur plus ban transfert international. Mais là, même ban transfert qui fait domestique, vous besoin enregistrer. Et aussi, FIFA Connect aussi aide pour ban club, par exemple, qui amateur, qui si demain son joueur, il y a le professionnel, il est capable de bénéficier dans sa fonds de solidarité qui FIFA payer pour ban joueur, par exemple, si un joueur est avec un club. Pendant l'état amateur, il est dans 12 ans, est-ce qu'en un certain âge, alors il s'acclive, il peut bénéficier chaque fois qu'il s'ajoute, il transfère. Et depuis 2011, pour Grand Bidéo, et c'est celle nous, ma fédération décide à ce moment-là pour vous enregistrer, peut-être à cause ça. Bon, peut-être avant ça, nous pas voir l'importance parce que nous utilisons un système qui appelle ça ITC, qui appelle ça International Transfer Certificate. Mais FIFA pourrait pas mettre vraiment l'emphase là. Mais là, tout dernièrement, FIFA a fait ça une mandatoire qui tout fédération, toute association a besoin d'enregistrer le FIFA Connect. Mais pour moi encore, FIFA Connect, c'est un avantage parce qu'il y a une technologie qui fait les facile pour capturer sous bon joueur, que tout aller, que les transferts. Et avant ça, par exemple, bon transfert domestique, pas vraiment gagne si vrai, mais là, avec ce système, même bon transfert domestique, si tout, bon joueur international qui nous en a, par exemple, qui parfois il dit ou un joueur qui a dit ou mon petit jeu pour aucun club, mais après il est en train de voir pour dire oui, tu peux jouer pour un club. Mais ça y a l'avantage. Mais en plus, il y a l'avantage pour le club. Parce que c'est le club qui peut bénéficier avec l'information. Nous, FIFA, nous donnons un délai jusqu'à les 20 qui nous ont besoin de finir, enregistrer tous nos clubs. Et ça y a pour nous, il tient, si vous voulez, un défi. Parce que nous pouvons gagner beaucoup de difficultés avec bon clip pour nous emmener ça l'information nécessaire. Mais finalement, nous devons faire autre comprendre pour dire si nous ne pas gagner ça l'information, d'ailleurs, nous ne pouvons pas enregistrer, alors il peut venir un problème pour nous, Fédération Football. Et nous associer ça aussi avec bon paiement, bonne subvention qui nous peut donner bon clip, qui si nous ne pouvons pas emmener ça l'information, d'ailleurs, nous pouvons withhold les subventions scolaires pour faire ça. Ça aussi, il aide nous pour nous capables de suivre. Sur l'ouverture window, là nous dit l'ouverture window pour enregistrer un bon transfert. Et ça aussi aider parce que ça y est, nous connaît FIFA, il y a son window qui est là et nous sommes préparés. Alors qu'on est tout le monde qui window FIFA a donné, qui date commencé et qui date fini. Et nous, par exemple, aujourd'hui, nous sommes pas capables longtemps, comme une fédération, juste mettre n'importe qui date. Pour nous faire transfert. Nous avons besoin de cibler la date que FIFA a mis. Et ça y a quelque chose qui vient cibler le FIFA Connect. Nous terminons le bulletin avec grand titre. La Cour suprême pour écouter qu'à la force la police contre décision Ziz Fiona Robinson, mois prochain, ça concerne la fouille qui est officier bureau antidrogue qui fait dans bagage dirigeant l'opposition l'Ouéport en février. Quatre activités économiques continuent à pas mener et financement pour implémenter dans les passés et qui secteur privé pas impliqué là-dedans, une gagne identifiée par gouvernement opposé 7. La Banque centrale réduit l'intérêt policy monétaire par 1% pour faire vivre 3%. Mais ses devises étrangères pour sa dernière semaine les une plus ou moins stable. Et nous arrivons à la fin du bulletin pour aujourd'hui soir. Je vous remercie beaucoup pour l'attention.